ça y est, t'as vu, c'est la fin du Covid. On peut, c'est ouf, ça y est, c'est la fin du Covid. Et le début de la Troisième Guerre mondiale. J'ai aussi un naturel un peu pessimiste, j'avoue. J'ai aussi, non, franchement, c'est fou ce qui se passe, franchement, non? C'est fou. Franchement, quand il y a eu le Covid et tout, là, on a vu que c'était un peu la fin, on s'est tous dit, qu'est-ce qui peut bien nous arriver? Et t'as Poutine qui a dit, moi, j'ai une idée. Fini masque, maintenant casque, tu vois. Moi. Fini PCR, maintenant nucléaire. Alors, là, je flippe, tu sais, je me dis, peut-être dans quelques semaines, on sera là, ah, le Covid. C'était le bon temps. Les masques, les tests PCR, ça nous manque. Moi, les amis, je vous dis la vérité, je connais rien en géopolitique, je suis un peu comme tout le monde ce qui se passe en ce moment à la télévision, tu vois. Je connais rien, mais je vais vous donner mon avis. Quand on connaît rien, on donne son avis. Ça s'appelle être français. Mais je vais vous donner mon avis. J'ai un peu l'impression, quand je regarde la télé en ce moment, j'ai un peu l'impression que genre, tu sais, c'est comme si l'Europe, c'était une bande de 10 potes, quoi, tu vois. Et t'as 10 potes sont rentrés dans un bar. Et là, t'as un mec, grand russe, tu vois. Il a attrapé un des potes, il commence à l'agresser, tu vois. Et t'as les 9 autres potes qui sont là. On est d'accord que Jérôme se fait agresser, là. On est d'accord. Tu sais. Et t'as Jérôme qui est là, aidez-moi, putain, aidez-moi. Tu sais, t'as les 9 potes qui sont là. Je pense que le mieux, c'est de se réunir et de prendre une décision proportionnée. Voilà, hein, c'est le mieux. Tu sais, t'as Jérôme qui est là, aidez-moi, putain, en tant que putain, je suis en train de crever, putain. Et ils sont là. Bien, alors, on a pris une décision. Avec les copains, je peux vous dire qu'on est colère, on est sévère. Je vous le dis, alors là, première décision, nous allons immédiatement unfollow l'ennemi sur Insta. Allez hop, le follower de moi, tu l'auras bien cherché, mon petit Vlad. Rien à foutre. Tu sais, t'as Jérôme qui est là, aidez-moi, putain, aidez-moi. Eux, ils sont là, Jérôme, on aimerait t'aider. Mais on est qu'à contact, on peut pas.